Bienvenue sur les Masters de Pétanque 2003, huitième et dernière étape. Aujourd'hui, nous sommes à Castelnaudary pour une étape un petit peu particulière puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un concours de tir de précision. Pour présenter cette ultime étape en ma compagnie, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés le triple champion du monde du tir de précision, recordman du monde également de points, Philippe Quintet. Philippe, bonjour. Alors, première question, tout d'abord, pourquoi ne pas participer aujourd'hui à ce fameux concours de tir ? Tout simplement parce que dans mon équipe, je possède un tireur comme Philippe Suchaud, qui a malheureusement la route barrée au championnat du monde de tir, parce qu'il y a depuis 4 ans, j'ai la chance de pouvoir gagner ce championnat. Du fait, il peut pas prouver qu'il est capable de le réussir. Alors là, bon, il fallait faire un choix. Moi, j'avais vraiment pas très très envie de le faire, parce que quand on est champion du monde, on a une pression supplémentaire. Et puis, je savais qu'il avait vraiment envie, qu'il était capable. Et puis, j'espère qu'il va nous faire une belle performance. Philippe, aujourd'hui, on va avoir le bonheur de découvrir quelques-uns des meilleurs tireurs français, voire des meilleurs tireurs mondiaux. La preuve, ce matin, les qualifications se sont jouées à 45, c'est énorme. Oui, il y a eu un niveau de championnat du monde. C'est à peu près le 45, c'est à peu près le total qu'il fallait pour pouvoir se qualifier dans les 8 meilleurs tireurs mondiaux. Bon, là, il y a des tireurs expérimentés et puis je pense que ça va faire du spectacle. Une dernière question, Philippe. Lorsque l'on vous voit terminer une compétition de tir comme celle-ci, on vous sent exténué, pas vous personnellement, tout le monde. Bien plus que lorsque vous jouez une partie qui peut durer jusqu'à 2h30, 3h en triplette. Comment ça se fait ? C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec une partie de pétanque normale. Il y a d'abord beaucoup plus de concentration. Et puis ça dure pas longtemps. Ça doit durer quelque chose comme un quart d'heure. Mais il y a une concentration maximale. On est tout seul. On ne joue que pour soi-même et puis il n'y a pas les copains pour aider un petit peu quand ça va mal. Donc moralement, mentalement, c'est quelque chose de très très difficile, beaucoup plus qu'une partie de pétanque normale. Bien, bon, on va découvrir tout cela ensemble tout de suite. Élément important à découvrir aujourd'hui, plus de 45 degrés au soleil sur la place centrale de Castelnaudary. Voilà qui va user un petit peu plus nos amis tireurs. On va découvrir les qualifications, une partie de qualification de cette partie de tir aujourd'hui et puis on passera dans les demi-finales juste après. Et les demi-finales, justement, les voici avec la première qui fait un petit peu figure de finale avant la lettre au niveau des scores acquis en qualification puisque elle oppose cette première demi-finale. Pascal Milley, le voici, à Christian Fazino. Ce sont les deux garçons qui ont réussi les scores les plus hauts ce matin en qualification. 52 pour Pascal Milley et 50 pour Christian Fazino. C'est énorme. Lorsque l'on connaît les conditions de jeu aujourd'hui, on en parlait il y a quelques instants. Avec Philippe, Pascal Milley à 6 mètres dans le premier atelier. Une boule seule. Ce sera frappé seul pour le tireur de l'équipe de Marco Foyo. Alors, premier atelier, la boule seule. 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres. On vous rappelle l'attribution des points sur cet atelier en tout cas. La boule touchée, 1 point. La boule frappée seule, 3 points. Carreau, 5 points. On passe à 7 mètres pour Pascal. Voilà, carreau pile. Pour Pascal Milley, 5 points, superbe geste que l'on retrouve au ralenti grâce aux images de François Coquet. La boule, regardez, qui n'a pas bougé. Il est dans le rythme pour l'instant, Pascal Milley. Qualification ce matin qui s'est jouée à 45, on le rappelle, c'est assez énorme. 8 mètres. Ah, un petit peu court. On va passer à 9 mètres. 0 donc à 8 mètres. Milley qui totalise 8 points pour l'instant dans ce premier atelier. Énormément de monde aujourd'hui à Castelnaudary pour
venir encourager les champions sur ces ateliers spectaculaires. Une boule seule à 9 mètres. Ce sera de nouveau un carreau puisque la boule est restée dans le cercle. 13 points. Pascal qui va donc totaliser 13 points à la fin de ce premier atelier. Il s'en est fallu de peu qu'elle ne sorte du cercle et finalement elle est restée. 13 points donc pour Pascal Milley à l'issue de ce premier atelier. On va retrouver maintenant Christian Fazino, auteur ce matin en qualification d'un total de 50 points. Frappé, 3 points. Frappé, 3 points. Condition, on le disait, assez difficile pour ces champions avec température extérieure extrêmement élevée. Les boules qui collent, les mains moites, c'est difficile dans ces conditions de pouvoir réussir de grosses performances et pourtant. Frappé encore une fois. Boule de Fazino qui n'est pas restée dans le cercle, ce sera 3 points de plus. Une finale qui oppose Pascal Milley à Christian Fazino, tandis que juste après on retrouvera Philippe Suchot, champion du monde. Face à un joueur local de l'équipe de Castelnaudary, Joël Sinibaldi. 3 points encore pour Christian Fazino. Sinibaldi qu'on découvrira juste après, qui a été l'auteur d'une performance assez exceptionnelle en qualification ce matin, puisqu'il avait réalisé un total de 53 points. C'est lui qui avait pointé en tête des qualifications, laissant sur la touche notamment Damien Hureau, Didier Choupé ou encore Stéphane Datt. Non plus donc se qualifier. On retrouve Christian Fazino qui jusqu'ici n'a marqué que des séries de 3 points. Voilà, tapé 4 fois et 13 à 12 donc pour Pascal Milley à l'issue de ce premier atelier. Deux carreaux, une frappe pour Milley et 4 frappes pour Christian Fazino. Alors, deuxième atelier, il s'agit cette fois de frapper la boule derrière le bouchon sans toucher le bouchon, bien évidemment. Même principe. Frapper avec la boule qui sort. Un point. Si la boule est revenue dans le bouchon. Frappe simple 3 points et carreau 5 points. Voilà, juste sauté. Guido, on va passer à 7 mètres. Qui fait partie cette saison de l'équipe héraultaise Foyo Passo Faré, qui a disputé ici même, vous l'avez vu la semaine passée sur notre antenne, la finale de la 7e étape face à l'équipe Raphaël Ripen, Jean-Luc Robert et Damien Hureau. Milley, voilà, frappe 3 points pour Milley.
précision de plus en plus à la mode et très prisée des spectateurs et des téléspectateurs. Que l'on voit de plus en plus dans les grands concours également. Donc, nouvelle frappe pour Pascal Milei. 3 points pour Milei. 3 points de plus à 8 mètres. Mais juste sur le dessus de la boule, mais ça a suffi pour la sortir. Allez, à 9 mètres maintenant. Pour Pascal Milei, qui ne totalisera que 6 points dans ce deuxième atelier, qui va porter son total à 19. Pascal Milei qui passe à 19. Christian Frazignon maintenant. On va retrouver le jour du siècle, Christian Frazignon, dans le même exercice avec la boule derrière le bouchon. Pour commencer, et casquette sur la boule. Casquette. Ça fera un point. Un point pour Fazino. Surtout être très vigilant sur le placement hein, dans le rond, absolument pas mordre pour que le tir soit validé. Voilà, frappé, 3 points pour Christian Frazignon. 3 points pour Frazignon. On passe à 8 mètres. Fazino, qui, je vous le disais tout à l'heure, a réalisé 50 points ce matin lors des qualifications. Et qui, dans cet atelier, deuxième atelier, avait réussi 2 carreaux ce matin. Là, ce sera une frappe simple avec 3 points supplémentaires. Des points hein, dans cet atelier, Christian Frazignon. 7 déjà. Ouais, 10 au total. Superbe. Superbe atelier réussi par Christian Frazignon. Et qui va prendre les devants hein, dans cette demi-finale en menant 22 à 19 devant Pascal Milei. Et qui met la pression sur son adversaire. On va passer à l'atelier suivant maintenant qui est. Troisième atelier avec Pascal Milei. Ah, peut-être le plus difficile. Entre les deux boules noires. C'est selon, hein, selon ce qu'on interroge tel ou tel joueur. Certains considèrent que c'est celui-ci le plus difficile, but du jeu.
et tente de frapper la boule blanche du milieu sans toucher les deux noirs sur le côté. Si on sort la blanche seule, c'est 3 points. Si en revanche on sort la blanche et qu'on touche une noire derrière, c'est 1 point. Si on fait carreau sur la blanche sans toucher les noirs, 5 points. En revanche, si on touche une noire avant de toucher la blanche, 0 point. Pascal Milley à 6 mètres. La blanche a été tapée en premier, mais la noire. Blanche d'abord. Ensuite. Donc, 1 point. Pour Milley à 6 mètres. C'est l'atelier où il faut vraiment, vraiment être droit pour pouvoir marquer des points. Toute l'amplitude du geste de Milley là, sur cette image avec le balancier du bras. C'était pas droit là, Pascal. Zéro. Pas droit du tout. Allez Pascal. Oh super carreau. On va attendre confirmation des arbitres. A priori, il sera validé ce carreau pour Milley. Regardez, geste parfait qui rapporte 5 points à Milley. Ça va lui faire du bien là, ça va le relancer dans cet atelier. Concours de tir pour lequel ont été mis à contribution plusieurs membres de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Vous apercevez au premier plan sur la droite là-bas avec les lunettes Alain Bidot qui était le coach de l'équipe de France qui a perdu en finale des championnats du monde face à la Dream Team. Oh, ce sera 0 à 9 mètres pour Milley. Cette troisième série va. Et un atelier qui va lui rapporter 6 points au total. 25 au total pour Milley. On va voir Christian Fazino à l'œuvre. Voilà, vous le découvrez à Alain Bidot là, sur ces images. C'est lui qui place les boules. Avant ce troisième atelier, c'est Fazino. À la table de marque 22, pour la fédération. C'est Alain Cantarutti en presque local qui est venu à Castelnaudary. Il est accompagné, vous le voyez à la table de marque, par le DTN Victor Nataf. Allez, Christian Fazino à 6 mètres sur cet atelier numéro 3. Allez, la blanche met une noire ensuite. La blanche a été tapée en premier, mais ce sera un point. La noire bouge ensuite. Un point. Alors là, même au ralenti, difficile de voir si c'est vraiment la blanche qui a été touchée en premier. Et dans ce cas-là, on accorde le bénéfice du doute aux joueurs. À 7 mètres maintenant. Ce sera carreau, elle est restée. Il faut parfois un petit peu de réussite de ce. Ah, ça s'est joué à pas grand chose encore une fois, regardez. À 7 mètres, on passe à 8. Hop, la boule qui recule et Christian qui
prie pour qu'elle reste dans le cercle. C'est ce qu'elle a fait, cette boule, et ça va rapporter 5 points à Christian Fasino. Passe à 8 mètres. Blanche, puis noire ensuite, a priori. Le carreau et la noire. La droite a bougé ensuite, un point pour Fasino. Attendu, ralenti. Elle est tombée pile au milieu, cette boule. Sept points dans cet atelier, donc, pour Christian Fasino. Quoi qu'il arrive, restera devant à l'issue de cette troisième série à 9 mètres maintenant. Ah, il a été dérangé. On va donc faire un petit aller-retour et seront concentrés sur le jeu. Un point pour terminer cette série pour Fasino, qui va porter son total à 30 et 5 points d'avance donc sur Pascal Milei à l'issue du troisième atelier dans cette demi-finale pour Christian Fasino. Nous attendons Joël Sinibaldi. Une discipline qui existe officiellement depuis 4-5 ans maintenant au niveau national et international. Avant le quatrième atelier, donc, dont le recordman du monde, on vous le rappelle, est Philippe Quintet. Philippe qui est avec nous, qu'on va retrouver tout à l'heure. Philippe qui totalise un record de 62 points dans cette discipline. 62 points pour Philippe Quintet, qui depuis qu'elle existe au niveau mondial a remporté toutes les épreuves. Le roi Quintet s'est imposé cette année en finale à Genève face au Belge Claudie Webel. Claudie Webel, on en reparlera dans un instant d'ailleurs. Alors l'atelier numéro 4 avec la boule noire derrière la boule blanche, 3 points pour Pascal Milei. La boule blanche derrière la boule noire plutôt, et c'est celle-ci hein, bien sûr qu'il faut sortir. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que faut absolument pas revenir dans la noire, et on voit très très peu de carreaux dans cet atelier là, puisque les boules ont souvent tendance à patiner et à revenir dans la noire. 3 points pour Milei, on passe à 7 mètres. Point de plus. 7 mètres, 3 points. Ah, c'est bien là ce qu'il est en train de faire, ça marque, ça engrange. Et on parlait de Claudie Webel. Déjà malheureux deux fois en finale des championnats du monde de tir face à Philippe Quintet. Claudie Webel qui a remporté le concours de tir à Millau il y a quelques jours est en forme. Alors 8 mètres maintenant pour Pascal Milei. Frappé une nouvelle fois, 3 points. Un bel atelier. Hein. Même si on n'a pas vu de carreaux encore, on disait qu'il est vraiment extrêmement difficile de faire des carreaux dans cet atelier. On s'en sort bien pour l'instant, Milei, avec un total de 9 points dans cet atelier numéro 4. Atelier qu'il va conclure dans quelques secondes avec
sa tentative à 9 mètres maintenant. Toujours sous cette canicule. 45 degrés ici à Castelnaudary. Chiqué, un point tout de même. Hein. Et c'est bien, c'est pas mal hein, pour Milei qui aura marqué à toutes les distances dans cet atelier numéro 4. 3, 6, 9, 10 points au total pour porter son total à 35. Il reste dans le coup, quoi qu'il arrive. Il remet même un petit peu de pression sur Christian Fasino. Le tour à Christian Fasino maintenant. On le voit, elle aurait bien aimé qu'elle y reste dans le cercle. Malheureusement, elle avait plus trop de vitesse, trop de recul. À 7 mètres maintenant. Mais ça suffit pour faire passer cette boule hors du cercle et 3 points supplémentaires sur la tête. Hein. C'est suffisant. 8 mètres. On vous disait, hein, c'est un atelier assez ardu et on voit assez rarement de carreaux sur cet atelier. Christian Fasino à 8 mètres. Oui, le voici. Et voilà, le premier carreau de cette série réussi par Christian Fasino sur la boule à la sautée. Et là, ça va lui permettre, quoi qu'il arrive, de reprendre la tête dans cette demi-finale. Avant même sa tentative à 9 mètres. Ah, la noire d'abord, il était un peu court là Christian. Et 11 points hein, tout de même, 11 points dans cette série. Pour un total de 41 maintenant, 6 points d'avance sur Pascal Milei. Rien n'est fait dans cette demi-finale alors que l'on va attaquer le dernier atelier qui est l'atelier le plus spectaculaire pour les spectateurs et téléspectateurs. Il s'agit de sortir le bouchon maintenant. Alors là, deux alternatives, 3 points ou 5 points. 3 points en faisant bouger le bouchon. 5 points en sortant le bouchon du cercle. Pascal Milei à 6 mètres. Manqué. J'avais l'impression qu'il avait bougé hein, pourtant ce but. Regardez. Et en fait c'est l'impact du gravier à côté. Il s'en veut Milei.
faut se ressaisir et passer à 7 mètres maintenant en essayant de se reconcentrer absolument. Et encore, c'est court. On va passer à 8 mètres. Ah, il n'y est plus là, dans sa tête. Ah, il faudrait au moins le prendre deux fois à 8 et 9 mètres pour porter, pourquoi pas, le total à 45 et espérer de façon hypothétique que Christian Fazino ne prenne pas un seul but, mais ça me semble assez compliqué maintenant quand même. Allez, 8 mètres. On va toucher. 3 points seulement. Mais touché quand même, il est pas très en réussite là, hein. Pas trop en réussite Milei. C'est un atelier sur lequel il n'avait déjà pas brillé en qualification, totalisant 6 points. 9 mètres, peut-être plus sa distance. Hein. On sait que c'est un tireur longue distance, Milei. Voilà, pour terminer, 5 points pour Pascal Milei qui va terminer avec un total de 43 points. Alors, ce sera difficile de se qualifier pour la finale avec ce total. Dans la mesure où, avant même d'avoir débuté ce dernier atelier, Christian Fazino compte 41 points au compteur. Ça veut dire que un but sorti et ce sera gagné. Un but touché même, puisque en le touchant uniquement une fois, il porterait son total à 44. Et ce serait suffisant pour se qualifier pour la finale. Autant dire qu'on va retrouver vraisemblablement tout à l'heure Christian Fazino en finale de ce concours de tir. À 6 mètres. Attention, il est très très fort à cette distance. Voilà, c'est fait. C'est tapé gagné pour Christian Fazino. Alors, est-ce qu'on va quand même aller jusqu'au bout de l'atelier ? Parce que là, il est d'ores et déjà qualifié pour la finale. Mais étant donné qu'on est quasiment sur des bases d'un record du monde, je suis en train de regarder. Ah, il en manquera, non, parce que s'il tapait tous les buts, s'il les sortait tous, s'il montrait à 61, on vous rappelle que le record du monde de Philippe Quintet est à 62. Quoi qu'il en soit, Christian Fazino ne battra pas le record du monde aujourd'hui. Pour le sport quand même, deuxième but frappé et 5 points de plus. Ah, c'est parfait. Tombé sur la tête du but. Et tout ça, c'est du bonus. Hein. 7 mètres, 5 points, donc 8 mètres maintenant. Il va s'y reprendre deux fois. Ouais, 5 de mieux. Il a peut-être bien touché d'ailleurs le cercle avant, faudrait qu'on vérifie. J'ai bien l'impression que le tir n'est pas validable, monsieur Nathan. La boule est-on ? Ah oui, il a touché le cercle. Il a touché le bord du cercle. Voilà. Le tir validé. Ah, le tir a été validé. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'il était, il n'était pas valable, hein, ce tir normalement. Tombé sur la bordure intérieure, mais c'était la bordure quand même, donc ce tir n'aurait pas dû être validé. Allez, quoi qu'il en soit, ce sera 5 points de mieux. Et c'est vrai que le règlement le stipule, il ne faut pas toucher le cercle. Et c'est ce qui s'était produit pourtant sur ce tir à 8 mètres, le dernier à 9 mètres maintenant. Fazino, oh, est-ce qu'il l'a touché? On va demander le ralenti à François Coquet.
pour nous dire si oui ou non ce but a été touché. Ouais, effleuré. Et 3 points de mieux, ça fait 18 pour un total de 59 points pour Christian Fasino, premier qualifié pour la finale ici à Castelnaudary de ce concours de tir. Fasino 59 à 43 face à Pascal Milley. On va rentrer tout de suite dans la deuxième demi-finale avec la surprise du jour, le local Joël Sini-Baldi, auteur de la meilleure performance en qualification ce matin. On rappelle qu'il avait réalisé 53 points. À 6 mètres pour Sini-Baldi. Le joueur de Castelnaudary. Il commence sa série par une frappe simple à 3 points. Il est opposé dans cette demi-finale, on vous le rappelle, au champion du monde, Philippe Suchaud. Sini-Baldi. Et une nouvelle frappe à 3 points. 3,7 mètres. On passe à 8 mètres. Beaucoup de fluidité, très propre. 8 mètres. Oh. Là, c'est mini brochet, là. Hein. Il n'est pas droit, il est surtout long. Et 9 mètres. C'est court cette fois. Ça fera 6. 6 points. Alors déjà, vous avez remarqué qu'on joue beaucoup plus vite que lors de la première demi-finale. Ça, c'est une question de rythme et de confiance. Il y a des tireurs qui ont besoin d'énormément se concentrer, d'autres qui aiment enchaîner, jouer très vite. Et voici Philippe Suchaud, qui tire donc aujourd'hui pour la Dream Team. Et pour le plaisir, hein, puisqu'on le rappelle, les champions du monde sont déjà assurés de remporter cette édition 2003 des Masters. 5 points pour démarrer dans cet atelier pour Philippe Suchaud, puisqu'il a fait carreau. Voilà, tranquillement, cette boule qui s'est arrêtée juste avant la sortie du cercle. Pas droit. Frappe simple. 3 points de plus. Déjà l'assurance de terminer ce premier atelier en tête. On a terminé à 9 mètres. Voilà. 3 points de plus. Et un total de 11. 11 à 6 pour Suchaud face à Sini-Baldi. On va passer au deuxième atelier. Ouais, un super carreau pour commencer. Pour Sini-Baldi. Ah, il attaque fort, hein, sur ce deuxième atelier, Joël Sini-Baldi. Il l'a enterré sa boule, il avait déjà démarré cet atelier en qualif ce matin par un carreau pile. 7 mètres. Il a pris le but. Donc ça vaut 0. On a vu le bouchon qui a giclé. Simple, 3 points de plus. À 8 mètres. Ouais.
Et 3 points pour terminer. Et 11 points au total dans cette série. Il a rapporté 11 points à Sini Bendy qui va passer à 17. Pour le doigt. On va retrouver Philippe Suchaud. Alors Philippe Suchaud, lui ce matin en qualification, il avait scoré 9 points sur cet atelier. On va voir s'il peut faire mieux. Il démarre par une frappe simple avec 3 points. 3 points à 6 mètres pour Suchaud. Oui, petit carreau. 5 points de mieux. Ah, il est parfait celui-ci. Hein. On est à 8 mètres. Nouveau carreau avec un petit peu de réussite. Hein. Il n'a pas touché le but. Sur le recul, le carreau est également validé. 5 points à 8 mètres. Regardez. Hop là, il s'en est fallu d'un millimètre ou deux qu'il ne touche le bouchon. Et ça aurait pu lui faire perdre des points. Mais pas du tout. Carreau validé. 9 mètres. Et là, il a pris le but en premier, en revanche. Donc, pour un total donc de 13 points dans cet atelier. Philippe Suchaud, pour, Suchaud. Qui va monter à 24. À 24. Et à l'issue de cet atelier, 24 à 17 en faveur du champion du monde, on va attaquer le troisième atelier. Avant le troisième atelier, Suchaud mène 24 à 17. Suchaud qui, après deux ateliers, pour l'anecdote, a déjà battu le score réalisé par le tireur italien ce matin en qualification, Occelli, pour l'équipe d'Italie, qui avait réussi 18 au total. Et c'est Nibaldi qui commence cet atelier par un carreau avec 5 points. Frappe simple à 3 points, vous avez vu ce joueur qui ne prend pas le temps de se concentrer, de réfléchir, c'est son style de jeu, ça lui réussit plutôt bien. Joël Sinibaldi s'en sort très bien dans cet atelier encore une fois. Il continue de maintenir la pression sur le champion du monde en enchaînant les frappes. Alors carreau à 6 mètres, frappe à 7 mètres et frappe à 8 mètres maintenant. 3 points, le geste parfait pour Joël Sinibaldi, on passe à 9 mètres. Ah, il a touché la noire. Un point. Et un joli total hein, dans cet atelier avec 12 points réalisés par le joueur au doigt. Total de 12 points. C'est mieux que ce matin. Il avait fait 9 en qualif. Et on est toujours sur les bases d'un très très bon score dans cette demi-finale. On va retrouver Philippe Suchaud pour ce troisième atelier. Des ateliers où il excelle. Voilà le carreau pour commencer. On retrouve à 7 mètres maintenant. Parfait encore. Changement de couleur. Un nouveau carreau pile à 7 mètres, 5 points pour Suchaud. Ah, c'est beau, hein? Avec cette boule qui s'enterre. Ah, il a touché la noire. La blanche est un point tout de même. La noire de droite. J'en suis donc un seul point pour Suchaud.
Total de 11 pour l'instant dans cet atelier. On va retrouver enfin le joueur de l'Allier à 9 mètres. Ah, on va attendre le ralenti. J'ai bien peur que la noire ait été touchée en premier. Ouais. Confirmation. Encore une fois, ça se joue à pas grand chose. Hein. 11 points donc pour Suchot, 35-29. Et pour la première fois, dans cette demi-finale, un atelier dans lequel Joël Sinibaldi a marqué plus de points que Philippe Suchot. 12 pour le joueur au doigt, 11 pour le Montluçonnais. Un 0. La noire était frappée seule, mais on passe à 7 mètres. On rappelle que c'est une boule à la sauter, il faut frapper la boule de derrière, la blanche, bien évidemment. Sauter. C'est toute la difficulté de cet atelier. Il faut tomber vraiment pile sur la boule. Et c'était un petit peu trop long pour Sinibaldi. Fois 0 hein, pour l'instant dans cet atelier. Sinibaldi a pourtant réussi un carreau et une frappe ce matin en qualification. Il faut absolument. Ouais, la noire d'abord, 0. Atelier vierge pour le joueur de Castelnaudary qui va rester à 29 points. On va regarder maintenant Philippe Suchot. Atelier qui lui avait plutôt bien réussi en qualification, il avait marqué 9 points, 3 frappes, 6, 7, 8, on va voir ce qu'il fait cet après-midi. Et la noire peut-être en la premier. La noire a été touchée d'abord, donc le tir ne sera pas validé. Oui, confirmation. On passe à 7 mètres. Long. Garde le sourire, Philippe Suchot. Alors les joueurs qu'on a équipés de micros, vous l'avez vu, sont pas trop expressifs. C'est vrai qu'il n'y a pas de dialogue possible, mais souvent on peut les entendre bougonner ou se motiver. Là, on a affaire à des joueurs assez calmes pour l'instant. Philippe Suchot à 8 mètres. La noire encore une fois. Pour l'instant, un atelier qui ne réussit à aucun des deux joueurs. Zéro pointé pour tout le monde. Il reste encore la tentative à 9 mètres pour Philippe Suchot. Histoire de prendre un petit peu plus le large dans cette demi-finale. Quoi qu'il arrive, c'est parti effectivement pour se départager au bouchon. Points quand même pour terminer. Dans cet atelier pour et un score total de 38. 38 à 29 avant les bouchons face à Sinibaldi. Ah ouais, 9 points d'avance pour Philippe Suchot dans cette demi-finale. Mais attention parce que le cinquième atelier, l'atelier des bouchons, est un atelier qui réussit bien à Joël Sinibaldi. Il a scoré 15 points ce matin en qualif. On va voir ce qu'il va faire. Ouais, sorti pour le premier. 5 points. 6 mètres. Superbe geste. On va retrouver à 7 mètres maintenant. Ouais, sorti encore une fois. Il est déjà repassé devant dans cette demi-finale. L'idéal serait de réussir un sans faute hein, pour l'Audois.
8 mètres. Ouais, c'est fait. Ouais, on voit ce geste parfait de Joël Sinibaldi. Il lui va lui rester la tentative à 9 mètres maintenant pour mettre un peu plus de pression sur Philippe Suchot. Sinibaldi à 9 mètres. Ouais, c'est frappé. Et 49 au total. Eh bien, c'est pas gagné pour le champion du monde. C'est pas gagné après ce sans faute de Joël Sinibaldi. 4 frappes au bouchon. Et grosse pression sur Philippe Suchot qui va devoir marquer. Qui va devoir marquer quelques points parce qu'il n'est qu'à 38. Ça veut dire qu'il lui faut au moins 3 bouchons. En voici un. Alors 38, ça fait 43. On va passer à 7 mètres. Il y a toujours 6 points de retard. Maintenant. Et c'est là qu'il ne faut pas flancher. On connaît son mental. On sait que il est absolument imperturbable, Philippe Suchot. Un des rares joueurs qui arrive à tirer devant Philippe Quintet. Voilà, superbe. Et 10 points, il revient à 48 maintenant. Faut absolument en toucher un autre encore. Hein. Faut toucher une fois pour se qualifier pour la finale. En tout cas, exceptionnelle partie, exceptionnelle prestation de Joël Sinibaldi qui nous avait enchanté en qualif. Et qui l'a encore fait une super demi-finale, Suchot. Ah, il l'a touché. Confirmation avec ce ralenti, s'il l'a touché, c'est final. Ce bouchon a été touché. Ouais, touché, il est tombé dessus. Donc 3 points. Eh bien, ça fera 51. À 9 mètres. Et Philippe Suchot qui se qualifie d'ores et déjà pour la finale, où il va le retrouver Christian Fasino. Belle foire d'empoigne en perspective. Pour l'honneur, on va le retrouver à 9 mètres et... On va souligner et féliciter une nouvelle fois la performance de Joël Sinibaldi qui a été exceptionnelle. Avec 49 points réalisés et 53 points en qualif, c'était superbe. 13 pour monter à 51. Victoire de Suchot, 51-49. Et vous allez faire une ovation à Joël Sinibaldi. 49 points pour 4 bouchons. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants sur Sport Plus pour vivre ensemble la finale de ce concours de tir de précision. Philippe, on a vu, on l'avait dit, du niveau aujourd'hui encore avec des tireurs très affûtés malgré la grosse chaleur et deux garçons que vous connaissez bien en finale. Christian Fasino, c'est pas une surprise, il est recordman du nombre de boules de l'heure. Et puis Philippe Suchot, vous avez bien fait de lui laisser la place finalement. Ouais, j'étais sûr qu'il était capable de réussir parce que c'est vraiment quelqu'un de très talentueux, même si c'est un exercice qu'il affectionne pas énormément. Mais bon, contre Christian, ça va pas être facile. Mais bon, j'ai complètement confiance en Philippe. Et puis bon, déjà, il a prouvé qu'il était capable d'aller au moins jusqu'en finale. Et c'est vrai qu'il mériterait vraiment de faire les championnats du monde de tir. Une dernière petite question pour les aficionados, ceux qui aimeraient s'entraîner comme cela au tir de précision. Il y a une recette, un secret, une concentration particulière différente de la triplette, de la doublette ou du tête-à-tête? Déjà, il faut essayer tous les ateliers. Hein. Il y en a 5. Hein. Il faut déjà les essayer chez soi, s'entraîner. On découvre quelque chose de vraiment spécial. Et puis... Puis dégoûter, ça fait du bien. Ça n'a rien à voir. Après, quand vous avez une boule à tirer dans une partie, vous allez voir, c'est complètement différent. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà, bah écoutez, comme ça, tous ceux qui ont envie d'essayer chez eux tranquillement sont prévenus. Mais il y a quand même encore du chemin avant de parvenir au niveau de ces messieurs que vous allez découvrir dans quelques instants. Philippe Suchot face à Christian Fasino. Ils sont partenaires toute l'année en club. On va les retrouver face à face pour cette finale du tir juste après la pub sur Sport+.